Salut tout le monde, je vous retrouve sur Stronghold Definitive Edition. Je vais faire la campagne La Vallée du Loup, mission numéro 3, qui s'appelle Le jeu du chat et de la souris. Nous allons voir un petit peu ce qui nous attend. Quittant les mines, nous parvînmes dans une vallée densément boisée. Pour autant, nous n'étions pas encore sortis de l'auberge. La forêt était remplie de patrouilles du loup, pourchassant tous les esclaves libérés qui avaient décidé de s'enfuir. Depuis les montagnes, nous repérâmes une île au beau milieu du grand fleuve qui traversait la vallée. Si nous pouvions y parvenir, nous pourrions sûrement nous y cacher un court instant. Ok, alors, le jeu du chat et de la souris, ça donne quoi? Évitez autant de patrouilles que possible et battez-vous uniquement en cas de nécessité. Déposez vos archers sur les terrains surélevés chaque fois que c'est possible. Les mineurs en fuite peuvent affronter des ennemis plus imposants s'ils attaquent Ces ensemble. terrains sont remplis de soldats du loup, messire. Nous devons avancer avec prudence. Alors, je regarde un petit peu la map. Donc là, on a un groupe ici. Alors, c'est ces groupes-là qu'il faut récupérer, de ce que j'ai compris. Alors, on va surveiller, on va observer un petit peu les patrouilles. Oui, nous arrivons. Départ. Vite, courte là, toi. Mouvement. Archer prêt à tirer. Nous arrivons. Certains des esclaves que nous avons libérés sont venus nous voir. Ils souhaitent nous rejoindre. Ok. Oui, monseigneur. Donc là, il faut qu'on regarde vers le sud. On a deux groupes d'esclaves. Alors, il faut voir ce que fait cette patrouille. Hein. Nous partons. Allons-y. Eux, on pourra pas les affronter en l'état actuel. Ils sont trop forts. Alors, je recule oui, vite mes archers. Monseigneur. Départ. Mouvement. Nous arrivons. Mon arc est à vite, votre service. Courez, 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 courez. Ok, tu fous, ils foncent, ils foncent, ils ont la vitesse. Départ. Mouvement. Alors, ça va donner quoi ça? Nous Donc, ça nous donne... Départ. Mouvement. Donc là, on peut récupérer 8 esclaves en plus. Enfin, 8 lanciers. J'aime pas qu'on dise le terme esclave, mais enfin, avec. Voici d'autres esclaves en fuite, messire. Nous partons. Alors. Ah, ils me suivent ou pas, non? Allons-y! Vous pouvez compter sur nous! Voici d'autres esclaves en fuite, messire. C'est loin! Oui, monseigneur! Nous partons! Allons-y! Oui, monseigneur! Nous partons! Où allons-nous? Ok, il va falloir faire attention! Toujours prêt! Allons-y! Oui, monseigneur! Non, nous non, partons! Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Foncez, foncez. C'est bien, c'est bien. Au contraire, ça nous avantage. On va se regrouper avec tous nos hommes. Vous pouvez compter sur nous. Où allons-nous? Les lancer, leur force, c'est quand ils attaquent en masse. Sans difficulté. Toujours prêt. Du gâteau. Monseigneur? Ils ne passeront pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-nous ce que nous devons faire. Ça, c'est fait ici. Alors, est-ce qu'il y a d'autres esclaves? Il y a un gros groupe là. Oui, monseigneur. Nous partons. Allons-y. Oui, monseigneur. Alors, est-ce que ces archers peuvent se mettre là? Non, malheureusement. Ah, nous partons. Allons-y. Oui, monseigneur. Nous partons. Allons-y. Vous pouvez compter sur nous. Pas de problème. Où allons-nous? Instructus flèche prête. Toujours prêt. Ce sera facile. Excellent. Oui, on a récupéré. On a mis ces deux patrouilles. Donc là, il nous restera à récupérer ce contingent-là. Le drapeau, il est où? Ah, il est là-bas. Ok, c'est un peu loin, mais en vrai, c'est faisable. Dites-nous ce que nous devons faire. Ça serait trop. Là, il faut éviter. Il n'y a pas un groupe d'esclaves ici. Non, il n'y en a pas. Il n'y a qu'ici. Et là, ils sont une petite dizaine, j'ai l'impression. Départ. Donc là, on va récupérer ces arches, ces lanciers en plus. Voici d'autres esclaves. 10. Sachant qu'on en a déjà 10, donc là on Toujours double notre prêt. Capacité, c'est pas mal. À notre armée plutôt. Il y a 4 lanciers là-bas.
Il y en a quelques-uns là. On va essayer de contourner par contre là. Là ça peut être dangereux. Donc là on récupère tout le groupe. Dites-nous ce que nous devons faire. Allons-y. Alors là, il y a ces archers là, il faudra attendre qu'ils soient par là. Oui, monseigneur. Nous partons. Donc là, on va éviter de passer par là-haut comme ça. Alors attends. Oui, monseigneur. Les spadassins, on va attendre qu'ils s'éloignent un minimum. Nous partons. Eux, je vais surveiller un peu leur mouvement. Allons-y. Oui, monseigneur. Sans difficulté. Nous bien partons. Joué. Les archers là en moins, c'est fait. Là, il y a une grosse patrouille, attention. Allons-y. Oui, monseigneur. Nous partons. Allons-y. Oui, monseigneur. Nous partons. Allons-y. On va avancer avec nos troupes là. Normalement, là, il n'y a rien. Nous partons. On évite là. On récupérerait quoi? Encore quelques lanciers par-ci, par-là. Ce sera un peu difficile. Ah, vous pouvez compter sur nous. J'essaie de récupérer encore quelques lanciers. Si je peux récupérer cela, ce serait parfait. Ceux-là, malheureusement, je pense pas qu'on va les embarquer. Voici d'autres esclaves en fuite, messieurs. Où allons-nous? Alors, est-ce qu'il en resterait dans le coin, là? Voici 5 de plus. Là, on en a une trentaine, c'est pas mal du tout. Je pense pas avoir oublié de groupe dans le coin. À part ceux du tout au nord. Reculez, reculez. Allons-y. Ah, vous pouvez. Ah, ils nous suivent carrément, sérieusement. Eh ben attends. Où allons-nous? Oui, monseigneur. On va partir, on va essayer de les bait. Toujours prêt. Eh, attends. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être les asmat d'ici. Dites-nous ce que nous devons faire. Alors je sais pas pourquoi ils m'ont suivi, mais pourquoi pas après tout. Oui. Nous arrivons. Départ. Mouvement. Nous arrivons. Départ. Mouvement. Nous arrivons. Départ. Impossible de le viser, sire. Mouvement. Nous arrivons. Impossible de le viser, sire. Impossible de le viser, sire. Archer prêt à tirer. Sortez les flèches. On va essayer de voir si on peut les viser. Comme ça, ça ferait quelques archers en moins à gérer. C'est plus long parce que on a que 4 archers ici. Vous pouvez compter sur nous. En vrai, il faudra faire attention à ce groupe-là. En vrai, si on gère déjà quelques archers de ce groupe-là, là, on fait pareil. Donc là, leurs spadassins, ils vont être chiés en masse. Où allons-nous? Allez, ils sont presque morts. Un de moins. Toujours prêt. Nous partons. Mon arc est à votre service. Monseigneur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, tuez-le. Instruction. À vos ordres. Sortez les flèches!
Bien joué ici. Oui. Bien, bien, bien joué. Est-ce qu'on peut shooter ce groupe-là? Non. On n'a pas la portée. Archer prêt à tirer. Dites-nous ce que nous devons faire. Vous pouvez pas compter sur nous. Ils peuvent pas passer comme ça, ce non. Ce sera un peu difficile. Oui, monseigneur. Mon arc est à votre service. Où allons-nous? Monseigneur? Encochez les flèches. Essayez d'abattre leurs archers déjà. Instruction. Recherche de cible. Si on abat les arbres, on se met bien. À vos ordres. On ne plus de tireurs. Où est-ce qu'ils vont, eux? Ok, ils repartent. Oui. En position avant de tirer. On va essayer d'abattre les deux halbardiers là, comme ça on va se faciliter le travail. N moins. Archer prêt à tirer. Flèche prête. Excellent. Mon arc est à votre service. Excellent. Monseigneur, départ. Toujours prêt. Nous partons. Alors, je me demande si on ne va pas tenter d'aller les récupérer quand même. Ça nous ferait peut-être plus d'hommes pour la défense. Enfin, pour l'attaque. Là, les archers sont en train d'asmater tout ce qui passe. À vos ordres. Dites-nous ce que nous devons faire. Ça nous dégourdira les jambes. Homme à pic, en avant, marcheur à pic. Vous pouvez compter sur nous. J'ai envoyé un contingent de soutien. Où allons-nous? Pas de problème. Toujours prêt. Ce sera un peu difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sera facile. Dites-nous ce que nous devons faire. Ah, vous pouvez compter où sur nous. Sans difficulté. Toujours prêt. Du gâteau. Oui, mon parfait. On a liquidé pas mal d'albardiers là. Bon, il nous reste encore pas mal de... Ok, parfait. Là, on, a plutôt, on est plutôt bien faire. En termes d'effectifs. Vous pouvez compter 35 sur mineurs. Nous. Enfin, non, si. Alors, on va reculer. On va attendre qu'il passe. Toujours prêt. Après, il restera ce groupe d'archers là-bas, oui. Mais je pense pas qu'on puisse l'atteindre d'où on est, non. Malheureusement, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois qu'ils seront passés, on se lance, on partira. Faut pas qu'ils nous repèrent, par contre. Nous partons. Attends, allons-y. Attendez. Non, ils nous ont pas repérés. Oui, on avance. Monseigneur. Oh merde, ils nous ont repérés. Allons-y. On avance, tant pis. Oui, monseigneur. Nous partons. Allons-y. Oui, monseigneur. Nous partons. Alors, attendez, allons-y. On va se prendre un petit peu d'avance. Ok, parfait. On les laisse passer. Oui, monseigneur. Et on fonce, go, go, go. Allons-y. Pas de problème. Oui, monseigneur. Et ils nous traquent. Ce sera facile. Sans difficulté. Dites-nous ce que nous devons faire. On les a sous le poids du nom. Comptez sur nous. Alors attendez, vous par là. Toujours prêt. Qu'on peut faire? Archer prêt à tirer. Dites-nous ce que nous devons faire. Monseigneur. Ah. Ce sera un peu difficile. Vous pouvez compter sur nous. Je suis à bon ordre. On va perdre un des halbardiers, mais il aura fait son taf. Où allons-nous? Voilà. Victoire. 10% de troupes, c'est raisonnable. C'est très raisonnable et on a réussi cette mission, donc avec un petit peu de maîtrise.
tranquillement, on prend les trucs de mineurs par-ci, par-là. Et on les récupère pour notre cause. Voilà. J'espère que cette mission 3 vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.